tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur la chaîne deux auteurs de bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui sont Delaf et Luc. Bonjour et merci d'avoir accepté de venir sur ma chaîne YouTube. Bonjour, c'est un plaisir. Alors vous les connaissez donc peut-être pour leur série Les Nombrils, qui est une série de BD jeunesse que moi personnellement je suis depuis enfant. Ça fait partie des séries pour lesquelles je prenais le Spirou de mon grand frère pour les lire. Et j'ai vraiment suivi la série avec attention jusqu'au dernier tome, enfin le dernier tome de la série, mais le dernier qui sort, le 8e, qui est disponible en librairie depuis très peu. Et donc pour apprendre à un peu plus vous connaître, je vous ai préparé un petit portrait chinois avec quelques questions, certaines difficiles, mais d'autres bien plus simples. On n'a presque pas peur. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense. Alors si vous étiez un sentiment à la sortie là, du 8e tome. Ah, c'est brillant. Ouais, excitation. Un peu de peur ou pas du tout? Non, pas de peur, étonnamment. Je pense qu'en tout cas, moi, je me sens suffisamment confiant. C'est un album que j'aime beaucoup, mais je suis fébrile à l'idée de communiquer avec les lecteurs. Mais, c'est un album important dans la série aussi. C'est vraiment une grosse évolution pour les personnages. Et on avait vraiment hâte de voir la réaction des lecteurs aussi. Alors moi, je n'ai pas encore lu, donc c'est du teasing. Ça me donne envie de me jeter dessus. Si vous étiez du coup l'une des trois héroïnes de la série, vous pensez que ce serait laquelle? Karine. Parce que je ne me vois pas en Jenny. Je me vois pas en Jenny. Ben, en fait, Karine fait 1m80, moi aussi je fais 1m80. Donc, il y a forcément un petit lien, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez timide aussi à l'adolescence. Donc. Forcément, on se reconnaît. Karine, c'est naturel de se reconnaître en elle plus, mais je pense qu'on a tous un peu de Jenny, de Vicky en nous quand même, parce qu'on a toujours envie d'être coquet, et puis ça nous arrive d'être méchant, parce que tout ce qu'on veut, c'est de l'amour, on le fait pas, on ne le montre pas de la bonne façon. Si vous étiez un personnage de la série qui aurait dû apparaître, mais qui est resté dans vos tiroirs, est-ce qu'il y en a? Il y a un personnage de la série, en fait, qui aurait dû prendre de l'importance et qui n'a pas pris, c'est Fred, le président de l'école. Donc, il était à Paris dans le tome 4 et qui va nous servir pour une fin alternative qui n'a pas été faite. Donc ça, c'est un personnage qui est comme un peu comme à moitié vivant. Il est là, mais il n'est jamais devenu ce qu'il aurait dû devenir. Et moi, je dirais le père biologique de Jenny. Devait apparaître dans le début et qui a été coupé au montage. Et si vous étiez une des étapes de création de l'album? Le brainstorm, c'est la partie où on discute vraiment de toutes les possibilités, tout ce qui nous excite, tout ce qu'on a envie de raconter dans un album, et c'est la partie d'échange et de l'album d'une journée à l'autre change complètement. Donc ça, c'est vraiment un moment où les possibilités sont infinies. J'adore le brainstorm. Les personnages doivent vivre mille et une aventures. Oui, certaines qu'on se dit, heureusement qu'on n'a pas gardé finalement. Et moi, je dirais l'ancrage, parce que l'ancrage, c'est trop ça. C'est l'autre extrême. C'est ça. Et si vous étiez l'un des 8 hommes sortis jusqu'à maintenant? Peut-être le 4. Parce que le 4, c'est le moment où Karine prend des grandes décisions pour casser un peu ce qui était sa personnalité établie jusque-là. Et je pense que c'était un besoin. Et puis, je pense que c'est une étape par laquelle tout le monde doit passer à un moment donné, de se dire, je vais arrêter d'essayer d'éviter les erreurs, d'avoir peur des erreurs, puis je vais faire ce que j'ai à faire, puis les gens penseront ce qu'ils penseront. Moi, je dirais le 8, parce que je pense que c'est notre album le plus abouti. Décidément, vous me donnez envie de le dire. Et de manière plus générale, si vous étiez un des personnages de la série, pas forcément les trois nommés. L'autre. Moi, je peux dire, Lison. Mais c'est pas mignonne, Lison. Elle aime tellement sincèrement Murphy, malgré qu'il est moche et il est méchant. Mais elle a trouvé quelque chose en lui, et puis elle l'aime avec une sincérité tellement belle, tellement naturelle. Ben pour rester dans le romantisme, je dirais Murphy, parce que j'aimerais bien être aimé par les Et pour terminer, peut-être, si vous étiez une autre bande dessinée, pas la vôtre. Une autre bande dessinée. Allons-y pour le classique, je voudrais une Gaston Aliève. Parce que c'est la BD qui m'a donné envie de faire la BD.
Pas le choix. Moi, je dirais Lapineau. C'est dans les premières séries BD qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et c'est une série qui se permet de traiter des thèmes un peu limite philosophiques ou éthiques et qui est très riche en dialogue. Donc, c'est très, très intéressant, très stimulant à lire. Ben moi, je pense que pour ma part, aujourd'hui, je dirais soit Loup, soit Les Nombris. Ah oui! Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir. J'ai hâte d'aller lire la suite du coup. Merci. Merci beaucoup. Merci.